Comme Romains 10, 17 le dit. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand on parle de la foi, il y a toujours parole. Parce que sans la parole, il ne peut pas y avoir de la foi. Sans parole, il ne peut pas y avoir la foi. Parce que la parole, elle vient de cette parole qu'on entend. Et cette parole, elle n'est pas de n'importe qui. Oui, elle n'est pas de n'importe qui. Ce n'est pas la parole de moi, du pasteur X ou quelqu'un d'autre. Mais c'est de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Le Dieu créateur de toutes choses. C'est de cette parole que nous parlons ce matin. C'est de cette parole qui, quand on l'entend, produit la foi. Alléluia. Amen. Notre foi est nourrie par la parole. La parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. On va voir quelques pensées par rapport à la parole de Dieu. Jean 17, verset 17. Cette parole dont nous parlons. On va voir quelques attributs de cette parole. Quelques caractéristiques de cette parole. Afin que tu puisses vraiment savoir cette parole dont nous parlons. Cette parole qui produit la foi. Elle a des caractéristiques. Ici, dans Jean 17, verset 17. Les gens de cet épître de Jean 17, l'épître de Jean 17, c'est la prière que Jésus a adressée à Dieu le Père. Vraiment des mots qui sortaient de la bouche de Jésus. Et ici, dans le verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité. » Ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Premier point. Cette parole dont nous parlons, c'est la vérité. La parole de Dieu, elle est unique. C'est la vérité. Elle contrarie les mensonges du diable. Et Jésus l'affirme. Il dit bien, ta parole et la vérité. Il dit, Père, cette parole qui sort de toi, c'est une vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Jésus, durant tout le temps qu'il a passé ici sur terre, il a toujours rappelé cette dimension. Que toutes les paroles qui parlait ne sortaient pas de lui, mais que ça sortait du Père. Jésus n'a rien inventé, mais il parlait la parole du Dieu le Père. Et ici, il témoigne encore une fois. Il dit, ta parole, Seigneur, c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Amen. C'est la vérité. N'ukuri. Et cette parole qui est la vérité,
Dans Jean 15, verset 7, muri Yohana 15 ku murongo w'indwi, Jésus-Christ, il nous interpelle, il nous appelle à garder cette parole. Yes, aradukebuye atubwira ngo tuzigame ijambo ryiwe. Il veut que cette parole demeure en nous. Kugira ngo iryo jambo rigume muri twebwe. Cette vérité doit demeurer en nous, demeurer en toi. Iryo jambo nuko kuri kuzakuguma mu buzima bwacu. Jean 15, verset 7. Muri Yohana 15 ku murongo w'indwi. Si vous demeurez en moi, toi qui es né de nouveau, toi qui es fils, fille de Dieu, toi qui es en Jésus-Christ, il y a une chose qui doit se passer dans ta vie. C'est que la parole de ton Père, Dieu, doit demeurer en toi. Et doit demeurer en toi. Oui, elle doit demeurer en toi. On a parlé de la foi qui vient de la parole qu'on entend. Mais qui n'est pas n'importe quelle parole. Mais du cœur de la personne qui a cette parole, il y a cette conscience que cette parole, c'est une vérité. Une vérité immuable. Là, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles, mais les paroles qui viennent de Dieu le Père, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera donné. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. On n'a pas besoin d'ajouter ou de retrancher, mais la parole de Dieu en soi, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Efficace. Alléluia. Amen. Cette parole qui est la vérité. Elle n'est pas seulement vérité, gusa, mais elle est vivante. Nirizima. Elle n'est pas seulement vivante, kandi gusa, mais elle est efficace. C'est la vérité. N'ukuri. Elle est vivante. Nirizima. Elle est efficace. Kandi Alléluia. Amen. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu. Cette parole qui génère la foi. Cette parole qui produit la foi. Elle est vraie. Elle est vivante. Elle est efficace. Et de cette parole, toute chose a été créée. Oui, de cette parole, toute chose a été créée. Les choses visibles qui t'entourent ont été créées par cette parole. Alléluia. Et ce matin, la bonne nouvelle, cette parole t'a été donnée. Alléluia. Cette parole, elle nous a été donnée. Cette parole, mon frère, ma soeur, elle t'a été donnée. Tu sais, Dieu ne t'a pas laissé isolé dans ce monde. Mais il t'a donné quelque chose. Il t'a donné sa parole. Alléluia. En d'autres mots, il t'a donné sa propre personne. Cette parole nous a été donnée. Alléluia. Amen. Oh, essaie de me suivre. Tu sens où je veux en venir. Alléluia, alléluia. Cette parole qui est vraie. Même Jésus a témoigné, a dit, Père, ta parole, elle est vraie. Cette parole qui est vraie, qui est vivante, qui est efficace, nous a été donnée. Alléluia. Amen. Par n'importe quelle parole.
Pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu. Revenons dans Jean 17. Versets 6 à 8. Jean 17, versets 6 à 8. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Alléluia. Et ils ont gardé ta parole. Nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu bisi barabawe urabampa kandi bitondeye ijambo ryawe none bamenye yuko ibyo wampaye byose biva kuri wewe kuko amajambo wampaye nayabahaye nabo barayakira bakayamenya byukuri ko na Ils ont gardé ta parole. Alléluia. Amen. Ils ont gardé ta parole. Ce qui nous caractérise en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous gardons la parole de Dieu. Nous gardons la parole de notre Papa Céleste. Et là, quand nous parlons avec notre Papa Céleste dans la prière, nous parlons dans son langage, son langage qu'il comprend, mais qui est sa parole. Alléluia. Amen. Pas du langage du monde, mais nous lui parlons dans le langage qu'il comprend. Langage de sa parole. Même Jésus, il n'a rien inventé. Il a pris la parole du Père. Il nous a donné cette parole. Nous avons gardé cette parole. Nous devons garder cette parole. Tu dois garder cette parole. Alléluia. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Gardez la parole de Dieu. Nous donne à connaître qui est Jésus. Nous donne à savoir qui nous croyons. Cette parole de Dieu et nous révèle Jésus qui est Jésus. Et nous puissions croire. Parce que tu ne peux pas croire à une personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas faire confiance à une personne. Une personne que tu ne connais, que tu ne connais pas. Cette parole t'a été donnée. Jean 6, 67. Cette parole t'a été donnée. Et de cette parole, tu as connu. Et cette parole, tu as cru. Oui, tu as cru en Jésus-Christ. Tu l'as reconnu comme l'envoyé de Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi tu ne crois pas n'importe quoi, n'importe quoi. Mais tu sais en qui tu crois. Parce que tu as reçu cette parole. Et cette parole en toi te révèle la personne de Jésus. Et dès ce moment-là, tu sais qui tu sers. Alléluia. Amen. Tu sais de qui tu parles. Tu sais de qui tu témoignes. Tu as connu. Et tu as cru. Alléluia. Jean 6, verset 67. Ici Jésus dit donc aux douze, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit. Simon Pietro la mwishura. Seigneur. Ati tuje kwande. À qui irions-nous? Ati tuje kwande ga mugenzi. Tu as les paroles de la vie éternelle. Kwali wewe ufise amajambo y'ubuzima. À qui irions-nous? Bega twoja kwande. À qui irions-nous? Bega tuje kwande.
Qui d'autre servir? Mais qui d'autre témoigner? Mais qui d'autre parler? Oh. Et nous avons cru. 68. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Amen. Là, c'est comme si Pierre il affirmait, nous savons qui nous suivons. On ne va pas te lâcher. Nous resterons derrière toi. Parce que des paroles qu'on a reçues, la parole qu'on a entendue, elle nous a révélé qui tu es. Le monde ne te connaît pas. Ceux qui se retirent ne te connaissent pas. Mais nous, nous t'avons connu. Oh, nous savons qui tu es, Jésus. Le Saint de Dieu. L'envoyé de Dieu. Cette parole qui est la vérité de Dieu nous révèle le vrai Dieu. La vie éternelle, mes chers frères, c'est connaître Dieu. Et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie que nous avons en Jésus. La connaissance de qui est Dieu. Et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a cette affirmation dans la réponse de Pierre. Oui, cette affirmation. Vraiment. Il affirme. Il dit, Jésus, tu es différent des autres. Des paroles qu'on a entendues. Nous pouvons témoigner que tu es l'envoyé de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu viens avec le message de Dieu, le Père. Et nous savons. Alléluia. Et nous savons qui tu es. Ce matin. Là où je veux en venir. Là où je veux en venir. C'est ici. La parole produit la foi. Amen. Amen. Mais souvent nous oublions une chose. Tu dois d'abord prendre conscience que cette parole est une vérité. Là, dépassons les simples confessions, les paroles, parler. Mais allons dans notre dimension. Cette parole, tu dois savoir que c'est une vérité. Que cette parole est vivante. Et que cette parole est efficace. Avec ces trois choses, là, je n'ai pas été exhaustif. Alors, avec cette parole, quand tu la perçois comme ça, ça va produire une chose que toi et moi, on a tellement besoin. Ça va produire l'assurance. Ça va produire l'assurance. Quand nous parlons la parole de Dieu, il y a une chose qui doit accompagner cette parole que nous parlons. L'assurance. L'assurance. Parler la parole de Dieu sans l'assurance, c'est juste parler. Et ça ne produira rien. Jésus-Christ, il savait de quoi il parlait. Il savait que cette parole qu'il parle, c'est la vérité. Il savait l'efficacité qui est dans cette parole. Oui, l'efficacité. Il savait la vie qui est dans cette parole.
C'est pourquoi chaque fois qu'il a sorti cette parole de Dieu, ça a produit des effets. Alléluia. Amen. On va finir par ça. Marc 11, verset 20. Marc 11, 20. Alléluia. Amen. Marc 16. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mariko 16 ku murongo wa 20 ngo bavayo bigisha hose umwami Yesu akorana nabo ijambo ryiwe arishingishiriza intahe ibimenyetso birikurikira amen. Ils s'en allaient prêcher partout. Abo bavayo bigisha hose. Le Seigneur travaillait avec eux. Umwami yakorana nabo. Et il confirmait la parole. Partout où nous allons annoncer la bonne nouvelle. Nous avons cette assurance. Voir ce qui nous anime à aller à gauche à droite. Voir ce qui nous pousse à aller partout où les portes s'ouvrent pour nous. C'est parce que nous avons cette assurance. Nous avons cette conviction que cette parole est vraie, que cette parole est efficace et que cette parole produit la vie dans le cœur de la personne qui l'entend. Et là, nous savons, à 100%, nous savons que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Qu'il est avec nous. Qu'il nous accompagne. On n'a pas besoin de le voir. On n'a pas besoin de sentir le vent qui souffle très fort. On n'a pas besoin de voir les gens qui tremblent, qui tombent par terre. Non. Mais nous savons une chose. Que le Seigneur est avec nous. Et ce qu'il va faire, comme nous annonçons sa parole, pas notre parole, pas la parole du pasteur ou de El Shaddai, comme nous annonçons sa parole avec une motivation pure de faire connaître la vérité à tous ceux qui sont dans l'ignorance, quelque chose doit se produire. Il doit nous accompagner. Ça, c'est et comme il est avec nous, il va confirmer ce que nous sommes en train de dire. Et il se produit des choses. Il n'y a pas une autre alternative. Les choses doivent se produire. Ce n'est pas nous qui produisons les choses. Mais cette parole qui est vraie, qui est efficace, qui produit des choses dans les gens qui entendent cette parole. Tu as besoin d'une chose. L'assurance. Mais cette assurance, mais cette assurance, elle est nourrie par cette dimension de réalité que cette parole est vraie et que cette parole est efficace, que cette parole, elle est vivante, qu'elle doit produire des choses dans le cœur, dans les circonstances de la personne qui entend cette parole. Acte 4, 29. Alléluia, alléluia. Amen. Là sont les apôtres. Ils sont sur terrain. Ils ont obéi la mission, ils sont partis. Comme toi et moi, ils sont partis. Et là, étant où ils sont, bien sûr, le diable n'est pas content. Et il ne sera jamais content.
kandi ntazokwigera nezerwa na rimwe. C'est pas une nouveauté, il sera jamais content. Iyo singuru shasha niko bizokwa. Parce que cette parole lui fait du mal. Iri jambo rya mumaze namu. Cette parole lui fait du mal. Lui fait du mal. Iri jambo rya mucumita satani. Et là les apôtres annoncent la bonne nouvelle. Aha ba intumwa zivuza ubutumwa bwiza. Et commencent les persécutions. Batangura guhamwa. Commencent les persécutions. Batangura guhamwa. Commence les résistances. Batangura kurirwanya. Comme toi et moi. Tu t'es décidé, tu as dit, je vais te servir, Seigneur. Où l'église se lève, on va servir, on va annoncer le bonheur. On va accomplir la mission suprême. Mais le diable, il ne dort pas. Ici au verset 29, alors, 89. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole, ta parole avec une pleine assurance. Face à l'adversité, face aux résistances, les résistances ou l'adversité ne changent en rien en la vérité de la parole. Ils ne changent en rien en l'efficacité de la parole. Ne changent en rien en la puissance de la parole. Seulement, par rapport aux personnes qui subissent ces choses, c'est eux qui doivent s'ajuster. C'est eux qui doivent mettre la vitesse supérieure. Ils n'en se retirent pas. Ils ne se découragent pas. Oh, ils n'en pleurnichent pas. Mais là, ce qu'ils vont faire, ils doublent la vitesse. Et si les apôtres disent, maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et au retour, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Vois ce que tu as besoin maintenant, mon frère, ma soeur. Tu as la foi, certes. Tu pries pour des situations, des circonstances dans ta vie. Oui, et tu as prié. Même si tu ne vois pas la réponse, même si les choses, c'est comme si ça s'empire, tu as la clé. Tu as la clé. Tu as la solution de la parole de Dieu. C'est qu'il te faut encore plus d'avantage. C'est l'assurance. Oui, c'est l'assurance. C'est l'assurance dans la parole. Elle reste vraie, la parole de Dieu. Elle reste efficace. Elle reste vivante. Ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas les situations qui la dénaturent. Ce que tu as besoin, c'est doublé. C'est avoir l'assurance dans cette parole. Et là, ce qui va suivre, le Seigneur t'accompagnera partout. Et ce n'est pas un spectateur paresseux. Il est acteur. Il va confirmer. Il va confirmer. C'est dommage que les gens s'attendent au miracle, au prodige, alors qu'ils n'ont pas mis ce qu'il faut d'abord mettre. La vérité de la parole de Dieu. L'efficacité de cette parole. La vivacité de cette parole. Tout ça produit l'assurance. Les apôtres, ils avaient reçu la parole de Dieu. Ils avaient gardé. Cette parole leur avait révélé Jésus. C'est une parole de vie. Oh, c'est une parole de vie. Ils avaient confiance en cette parole. C'est pourquoi ils sont sortis malgré l'adversité. Ils ont commencé à annoncer cette parole. Et quand les choses se sont compliquées, ils ont appelé le secours de Dieu. Ils ne pleurnichaient pas. Ils ont dit, Seigneur, ils ont dit, Seigneur, accorde-nous d'annoncer cette parole avec assurance, avec conviction, avec détermination.
Là, Dieu a dit, Imana iravuga. Je serai au rendez-vous. Ati nzokwama ndi kumwe nawe. Le verset suivant, verset 30. Murongo ukurikira. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Jésus-Christ. Verset 31. Alléluia. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Là, ils avaient déjà reçu le baptême. Hein? Oui. Mais ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà ce qui va suivre alors. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. La foi dont on parle, alors, pour finir, c'est vrai, elle vient de la parole. De la parole qu'on entend. Mais c'est la parole. C'est pas seulement la parole comme ça. Mais c'est la parole que tu as gardée d'abord. Mais c'est la parole pour laquelle tu sais qu'elle est vraie. Tu sais qu'elle est efficace. Tu sais qu'elle est vivante. Avec ces choses alors, ça produit une assurance dans cette parole. Et quand tu vas proclamer cette parole, il y a la foi qui suit. Les choses changent. Alléluia. Amen. Tu en as besoin. L'assurance dans cette parole. L'assurance dans cette parole. La foi, elle vient dans cette parole. Oui. Mais la parole que tu as avec assurance, c'est ça qui génère la foi. C'est ça qui change les situations. Sinon, la parole, juste la parole, elle n'est pas efficace. Elle n'est pas vivante. Elle ne produit rien. Alléluia. Amen. Quand on fait les sorties d'évangélisation, ce qui produit tous ces gens qui se donnent à Christ, mais c'est la conviction qu'on a que la parole de Dieu, elle est vraie. Que Christ est mort pour ces gens. Et on ne fait qu'annoncer cela. Mais derrière la voix qui sort de la personne qui annonce, il y a un cœur qui est rempli de conviction. Qui dit, je sais et je sais et je sais. Que sais-je, Seigneur, tu as payé le prix pour eux. Et que dans cet instant même, Seigneur, tu veux les sauver et tu vas les sauver. Là, il ne fait qu'annoncer le salut, l'évangile de Christ. Mais derrière le message, il y a ce cœur qui est rempli de conviction, qui dit il n'y a pas d'autre alternative. Ces gens doivent être sauvés parce que Christ est mort pour eux. La vérité. La vérité. Oui, la vérité. Christ est mort pour eux. Ils doivent être sauvés. Quand on prie pour les gens qui sont possédés, être modeste me dirait encore plus davantage ce qu'il ressent en lui quand il le fait. Mais je sais une chose est sûre. Il est sûr et certain que ces gens sont libres dans le nom de Jésus. Alors il ne reste alors qu'à communiquer au monde invisible. Qu'à dire au diable, lâche cette personne. Des fois, c'est amusant. Lâche cette personne. Des fois, on est rempli de joie. Tu vois une personne qu'on amène qui est dans tous ses états. Mais en fait, tu es tellement content. Tu es tellement content. Oh. Tu es tellement content. Même avant de chasser, tu es tellement content. Quoi. Tu es tellement content. Tu sais, oh Seigneur, tu vas me libérer. Oh, oh diable, tu vas encore perdre. Et là, il est libéré. Complètement et totalement. Alléluia. On va se lever, on va prier. Père, merci pour ta parole. Elle est vraie.
Oui, elle est vraie. Ta parole, elle est vraie, Seigneur. Et nous voulons la garder. Nous voulons la garder. Elle est tellement vraie. Nous savons ce qu'elle produit dans les cœurs qui la reçoivent. Dans les circonstances qui font face à cette parole. Oh, nous voulons garder cette parole, Seigneur. Oh, des cœurs qui aiment ta parole, Seigneur. Nous voulons aimer ta parole plus que toute autre chose, Seigneur. Parce que ta parole, c'est ta pensée. Mais ta parole, c'est toi à la fin, Seigneur. Nous voulons cette parole révélée en nous. Elle est efficace. Wow. Elle est efficace. Oh, elle est efficace, ta parole, Seigneur. Ta parole, elle est efficace, nous le savons. Elle est vivante. Elle produit. Elle produit. Merci, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés seuls dans ce monde. Mais tu nous as donné la chose la plus importante que tu avais. Tu nous as donné ta parole. Ta parole, c'est la clé. Ta parole, c'est comme si c'est toi qui étais vraiment présent. Parce que ce qui manifeste la présence d'une personne, c'est quand la personne parle. C'est la parole qui sort de sa bouche. Qui manifeste. Fais que la personne est présente. Et ta parole, c'est toi, Seigneur. Tu ne nous as pas laissé seuls alors dans ce monde. Mais tu nous as donné ta parole dans toute ton entièreté, dans toute ta vérité, dans toute sa puissance, dans toute son efficacité. Et nous sommes appelés à confesser cette parole. Oui, confesse cette parole. Mais pas la confesser n'importe comment. Mais en ayant conscience qu'elle est vraie, qu'elle est efficace, qu'elle est vivante. Et nous savons qu'est-ce qui sortira de cette confession. Ce sera une assurance certaine, une conviction certaine. Oh, donne-nous, Seigneur, à annoncer ta parole avec assurance. Quand nous témoignons pour toi, Seigneur, que nous le fassions avec assurance. Oui, avec assurance. Pas ton esprit qui habite en nous. Comme ça, nous ta parole avec assurance. Avec conviction. Sans crainte, sans tremblement. Sans aucun doute. Afin que ceux qui se meurent dans les péchés soient saisis par la vérité de ta parole. Afin que ceux qui sont malades soient libérés par cette parole. Afin que ceux qui sont possédés soient délivré par cette parole que le monde invisible entend si bien. Oui, oui, que ce monde invisible entend si bien. Il connaît ta parole et son efficacité. Nous te bénissons, Père. Oh, alléluia, nous te bénissons, Père. Tu es merveilleux pour nous. Et même ce matin en cet endroit, tu vas encore manifester ta parole. Et tu vas sauver avec puissance. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministere-elshaddai.com.